vous asseoir. La Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, verset 4, c'est Proverbes chapitre 24, verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je lis aussi le psaume 24, verset 4. Le psaume 24, au verset 4. La Bible dit dans le psaume 24, au verset 4, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Au verset 5e, quelqu'un y est? Psaume 24, verset 5e. Vous y êtes, frères et sœurs? Dites Amen, s'il vous plaît. Psaume 24, verset 5. Je reprends le verset 4 à 5. « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » Alléluia. La miséricorde du Dieu de son salut. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Hier, nous étions en train d'évoquer beaucoup de choses et principalement comment tirer le trésor de son cœur. Nous avons démontré bibliquement que chacun de nous, dans notre cœur, nous avons la possibilité de vivre les trésors qui sont à l'intérieur. Lorsque Dieu parle à quelqu'un, il lui parle dans le cœur. Lorsque Dieu donne un message prophétique annonçant des faits qui vont arriver, ce message va habiter dans votre cœur. Tout ce que Dieu prévoit faire dans la vie de quelqu'un habite son cœur. Et lorsque la chose que Dieu a prévu faire dans votre vie n'arrive pas, c'est parce que vous ne connaissiez pas comment tirer ce trésor de votre cœur. Lorsque Dieu parle aux gens, ils sont déjà dans une bonne direction pour réussir dans leur vie. Mais il faut encore connaître comment est-ce que puiser dans cette source-là. Jésus dans notre cœur est un puits qui cache beaucoup de choses. Il s'est tenu devant une femme, il a dit à la femme, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui le lui aurais demandé. Parce qu'il était un puits et un puits sans fin. Et Jésus est capable d'habiter en quelqu'un sans que la personne ne puisse vivre une vie glorieuse. Okay? Voilà, Jésus peut être là, mais vous ne vivez pas quelque chose de glorieux. Parce que la gloire de Dieu est conditionnée par un fait de l'homme. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est conditionnée par un fait de l'homme. L'homme qui ne croit pas rend le puits inutile. Rend Jésus en lui inutile. Et nous vous avons expliqué hier que dans votre cœur, vous avez la possibilité de loger plusieurs trésors. Le trésor du salut. Quand quelqu'un naît de nouveau, c'est son cœur qui naît de nouveau et qui prend le salut dans le cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ton cœur qui t'emmène au salut.
Et ton cœur peut t'introduire donc au ciel. Et nous avons aussi vu que le cœur de l'homme peut cacher le trésor de la révélation divine. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le ciel habite nos cœurs. Le ciel habite nos cœurs. Il n'y a aucun bâtiment qui peut loger la densité ou la grandeur de Dieu, mais nos cœurs peuvent loger Dieu. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous avons aussi dit que le cœur avait un troisième trésor, le trésor de l'orientation divine. C'est-à-dire, Dieu parle à un homme dans le cœur. Et il l'oriente par son cœur. Et quand ton cœur n'est pas pur, tu n'arrives pas à capter une orientation divine. Le plus grand exercice spirituel est de chercher Dieu pour connaître sa volonté. C'est le plus grand. Vous pouvez prier abondamment. C'est un exercice vain si cela ne débouche pas à la révélation de la volonté de Dieu. Dites à Dieu, fais de moi ce que tu as résolu de faire. Que je ne sois pas ce que je souhaite faire, être, mais que je sois ce que tu as résolu de faire. Dis avec moi, amen. Amen. Ce soir, je vais ajouter quelques trésors et je vais clôturer le thème de ce soir. C'est dans le cœur de l'homme que Dieu dépose le quatrième trésor, le trésor de la bénédiction. N'écoutez pas ceux qui vous disent que la bénédiction est charnelle. Ils sont distraits. Dimanche, je vais enseigner sur les esprits qui se cache derrière les doctrines. J'ai intitulé ça « Les esprits derrière les doctrines », quelque chose comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le cœur de l'homme, Dieu place la bénédiction. Le livre des psaumes au chapitre 24, verset 4 nous dit « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Virgule, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand conseil que Dieu nous donne ici. Il dit que c'est dans notre cœur qu'il nous donne la bénédiction quand notre cœur est comment? Le cœur d'un homme, lorsqu'il devient pur, il peut loger le trésor de la bénédiction. Vous le voyez avec rien physiquement, rien matériellement, mais il a un cœur pur et Dieu a déposé la bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un d'apprendre à bien parler, de dire aux membres de sa famille, comme je suis dans cette famille et que j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, il a déposé dans mon cœur la bénédiction. Vous serez bénis car l'Éternel a déposé la bénédiction en moi. Le monde des ténèbres dépose la sorcellerie dans un cœur impur. Quelques années plus tard, le petit gamin peut devenir la source de tous les problèmes. Un cœur pur dans une famille est une bénédiction. Ce que la Bible appelle lorsqu'il y a un juste dans une nation, c'est une bénédiction. J'entends quelqu'un dire gloire. Gloire. Alléluia. Amen. Et la Bible enseigne que la bénédiction est un trésor dans le cœur. Mais ce trésor est indiqué comme suite.
Celui qui a les mains innocentes oyo maboko esimbi mabete et le cœur pur. Le cœur pur qui obtient comme trésor la bénédiction est connecté à ses mains. Dites avec moi, connecté à mes mains. Connecté à mes mains. La Bible dit que le cœur ne peut pas être pur si les mains font certaines choses. J'ai une question à vous poser. Pourquoi Dieu demande les offrandes? Afin tout simplement de voir votre cœur par vos mains. Lorsque l'on veut s'engager dans une armée, il y a un geste de la main. Lorsqu'on veut s'engager dans l'ordre des avocats, il y a un geste de la main. Lorsqu'on veut parler à Dieu pour l'adorer, il y a un geste de la main. Le militaire, l'avocat, le président et les adorateurs. La main a toujours été le reflet du cœur de l'homme. Et Dieu voit le cœur par la main. La Bible dit que chacun donne à Dieu tel qu'il a résolu en son cœur. Car le cœur est lié au quoi? Aux mains. Vous prierez peu parce que votre cœur est peu attaché à Dieu. Le cœur pur a les mains pures. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un a les mains innocentes et non pas lorsque quelqu'un a les mains pures. On appelle les mains pures des mains innocentes. Innocent sous-entend que tu n'es pas coupable. C'est pourquoi lorsque un homme doit chercher à ce que la bénédiction de Dieu reste dans son cœur, il doit éviter tout acte qui peut susciter une culpabilité future. Ne rate jamais ta dîme. Deux, ne rate jamais l'aumône. Trois, ne rate jamais les dons sacrificiels que le Seigneur te demande de faire. Ces choses-là rendent tes mains coupables. Et quand tes mains sont coupables, jeûne comme tu veux, prie comme tu veux, chasse les démons de la famille comme tu veux, tu verras toujours une résistance. Le combat spirituel n'est pas tout simplement lié au nom de Jésus. Des gens ont chassé les démons au nom de Jésus sans manifestation. Et Jésus a dit, ce genre-là sort par la prière et le jeûne. Le nom de Jésus est une terminaison de quelque chose. Il faut certaines choses pour que le nom de Jésus fasse le saut, mette le saut d'accomplissement. Un jour, un de nos amis a vu qu'on était dans un terrain vide. Et on était en train de prier que la pluie ne tombe pas. Alors le frère a dit, vous savez, j'ai une solution pour nous. Mettons les tôles. Et il avait raison. Quand on a mis les tôles, on n'a plus jamais chassé la pluie. D'où il y a des prières inutiles qui viennent par la petitesse des esprits des gens. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Quelqu'un qui jeûne et prie pour manger. Ça fait partie des petitesses dans la Bible. La Bible dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ces choses sont grandes quand vous êtes petit. Quand vous devenez grand, vous le verrez petit. Dites avec moi, mes mains doivent être innocentes. Gardez ça en souvenir. Première chose pour garder vos mains innocentes, ne prenez rien qui appartient à quelqu'un. Ça va suer votre cœur. Deux,
ne devait rien à personne. Ne devait rien à personne. Je tiens à demander aux frères et aux sœurs de ne pas devoir à quelqu'un. C'est bon de dormir affamé lorsque l'on dort avec Dieu. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Trois, accomplissez vos vœux. Ces choses garderont vos cœurs. Et le trésor de la bénédiction ne va pas partir. J'entends quelqu'un dire gloire. Gloire. Amen. Amen. Cinquième trésor. Le trésor de l'expérience. C'est le cœur qui prend l'expérience. Quand quelqu'un vit quelque chose, et quand le conseil, le conseil va loger dans le cœur. Une chose qui rend le cœur de l'homme pur, c'est le conseil. Ezali toli. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu vous parle. Mais cependant, les projets réussissent lorsqu'il y a des conseillers. Dieu a mis le pouvoir de réussite dans les hommes. La Bible dit confiez-vous en mes serviteurs. Vous réussirez. Dieu a mis la réussite dans la bouche des hommes. Afin qu'aucun homme ne se suffise à lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ainsi donc, frères et sœurs, retenez ceci. Simbaboy. Le trésor, un des trésors du cœur d'un homme pur, c'est l'expérience. Expérience. L'expérience, c'est quoi? Ce n'est pas le nombre d'années. Il y a des papas qui sont toujours aujourd'hui assis dans des bars parce que jusqu'aujourd'hui, ils sont immatures sans expérience. Vous connaissez que vous avez atteint une expérience quand votre oreille est devenue sensible au conseil. Quand vous n'arrivez pas à écouter le conseil, vous n'êtes pas sur le chemin de l'expérience. Le frère qui continue à écouter les mauvais conseils ira dans le mauvais chemin. Celui qui écoutera les bons conseils ira dans le droit chemin. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Ainsi donc, le trésor du cœur appelé expérience, c'est ça là même qui va vous suivre dans l'avenir. Une femme expérimentée ne tombe pas dans le piège d'un inconnu. Un homme expérimenté ne tombe pas dans le piège de la gloire des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le conseil. Si tu éloignes ton oreille du conseil, tu éloignes ton cœur de la pureté. Un cœur pur veille au conseil qu'il entend. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Un cœur pur veille à quoi? Au conseil qu'il entend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous n'écoutez pas le conseil, ce qui okoyoka vous n'aurez aucune expérience. Et si vous n'avez pas l'expérience, vous n'aurez aucune garantie de réussite plus tard. L'expérience, c'est la découverte de la formule qui marche dans la vie. Celui qui a l'expérience a découvert la formule pour réussir. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, c'est ce genre d'homme faut les laisser. Quand vous les laissez, aujourd'hui expérience, vous avez reçu l'expérience. Vous avez obtenu la formule pour marier un bon mari. Si tu n'écoutes pas le conseil, qui tu as perdu la formule. Le bon mari viendra. Tu n'arriveras même pas à le reconnaître. Pourquoi? Tu n'avais pas gardé le conseil. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le cœur pur parle même quand tu te tais. Ça répète les mots et les phrases de celui qui te conseille. Ton pasteur,
ton coach, ton tout ce que vous voulez appeler, mais qui veut tout simplement dire quelqu'un qui t'a conseillé. Et je tiens à dire, le conseil ne vient pas toujours d'une autorité. Le conseil peut venir d'un inférieur. Votre oreille doit être sensible pour capter le conseil. C'est quoi le conseil? C'est la voix de Dieu qui parle à tous les humains. Chrétien comme païen. Un païen qui a échoué dans un business, il dira demain dans une réunion, ne faisons pas ça. Faisons ceci, faisons cela. Et vous qui allez suivre le païen qui dit cela, vous allez dire, le monsieur là est très sage. Comment il a su ce qu'il fallait qu'on fasse? Grâce à ce monsieur, j'ai eu l'argent. Mais comment il a su ça? Par l'expérience. Quelqu'un me suit? Amen. Le cœur doit entendre la voix du conseil. L'expérience est un trésor. Expérience est ali bozui. Cette expérience ne vient pas nécessairement de la voix des hommes, mais elle vient aussi de la voix de votre subconscient. Et où t'as capé na mongongo ya motono ya kat. Betty libaku nanzela. Tu te cognes contre une pierre sur le. Toi-même commence à entendre une voix qui te dit. Nzela oezan nzela ma ben, il faut que t'embola bien. Si tu fais pas attention à cette voix, ce qui ok bite na mongongo. Petit deuxième libaku. Et là tu dis oh. Non, tu obéis à libaku kuna. Je viens de trébucher là-bas. Fallait na comprendre. Je devrais comprendre. Tu parles avec qui? Ozo solo la nana. Avec ton subconscient, autrement ta conscience. Na mayele na yoto bomoto. Dieu a mis dans chacun de nous une conscience capable de le parler. C'est pourquoi quand tu es mauvais, tu as fait un grand exercice pour devenir mauvais. Tu t'es forcé à devenir mauvais. En tout cas, les sœurs qui sont des séductrices irrésolues et qui n'atteignent jamais le mariage, elles font un effort de faire taire la bonne voix de son cœur. S'il te plaît, écoute le conseil de ta mère. Celui qui te conseille n'a pas besoin d'être riche. Car sa pauvreté peut être la source même de son conseil. Alors maintenant réfléchis. Dans ton cœur, est-ce qu'il y a ces choses-là? Biloko ezali. S'il n'y a pas tous ces cinq trésors que j'ai cités, tu échoueras. Assurément. Tu n'es pas maudit. Mais tu échoueras. Si dans ton cœur, tu n'as pas le salut, tu n'as pas une révélation de Dieu, tu n'as pas des orientations divines, tu n'as pas une parole de bénédiction toi, tu n'as pas de l'expérience due au conseil, ton cœur n'a rien, tu échoueras assurément. Ce n'est pas la tantine, ce n'est pas la grand-mère, c'est ton cœur qui n'a pas été suffisamment pur pour capter ces choses-là. Du coup, tu deviendras malheureux. Que quelqu'un lève sa main droite qui prie avec moi. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Pour mon cœur. Je demande que tu viennes en aide à mon cœur. Que tu viennes en aide à mon cœur. Que le bon trésor habite mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que faire pour continuellement tirer de bonnes choses de son cœur? Vous allez voir un jour quelqu'un, je repose la question, que faire pour continuellement tirer de bonnes choses de son cœur? Alléluia. Amen. Ça c'est le point culminant du message. Vous allez remarquer, frères et sœurs, même quand tu as obtenu un travail, on va toujours te demander de décider. Voilà le montant qu'on veut te payer. Maintenant, c'est à toi de dire oui ou non. Donc, le cœur sera toujours
sera toujours, vous demanderez toujours à votre cœur la question. Chacun de vous ici, toute la journée que vous venez de passer, s'il y a quelqu'un à qui vous avez le plus parlé et à qui vous avez le plus tendu votre oreille, c'est votre cœur. Vous êtes déjà entré dans un bus au Congo, comment il y a du bruit? Vous avez déjà remarqué que ce bruit-là n'entre jamais dans le cœur. Le cœur est la sphère même là où l'homme est seul. Et quand vous maîtrisez les choses de Dieu, vous comprendrez que Dieu aime le secret, le lieu où tu es seul. Combien de temps passez-vous dans la journée avec les humains? Je vais vous dire ce que vous allez devenir plus tard. Un homme d'esprit, une femme d'esprit aime passer du temps avec Dieu. Au point qu'il faut qu'on le descende, qu'on lui dise souvent, viens, on va faire un petit tour. Tellement son cœur a trouvé meilleur dans sa chambre. Pierre est resté longtemps dans sa chambre. Et on l'a appelé pour lui dire, viens manger Pierre, viens manger. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Demande-moi, où est ton cœur? Alléluia. Amen. Alors, que faire pour continuellement tirer de bonnes choses de votre cœur? 1. Chaque jour que Dieu a créé, purifiez continuellement votre cœur par la prière. Purifiez continuellement votre cœur par la prière. Est-ce que quelqu'un a entendu le mot continuellement? Continuellement. Purifiez continuellement votre cœur par la prière. Proverbe 20, verset 9. La Bible dit. La Bible. Quand on va vous donner le cadeau de mariage, vous allez remarquer que la Bible, vous allez la balancer quelque part et vous allez vous réjouir du plasma. Mais ce plasma-là va se casser un jour, votre Bible, jamais. Amen. Alléluia. Proverbe 20 au verset 9 nous dit, que dira, deux points, j'ai purifié mon cœur. Qui dira, pardon, deux points, j'ai purifié mon cœur, virgule. Je suis net de mon péché. Alléluia. Amen. La Bible. Qui dira, j'ai purifié mon cœur? Dieu montre que l'homme doit continuellement chercher à purifier son cœur. Pour arriver au point de dire, je suis net de mon péché. Frère, j'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout être humain pêche. La Bible dit, mais celui qui dit qu'il n'a point péché fait de Dieu un menteur. Mais j'ai une question claire. Je dois dire quelque chose pour soulever un voile. Cela ne sous-entend pas que nous sommes obligés de pécher. Parce qu'il y a des gens qui sont assis parmi vous là. Si je leur demande, as-tu péché aujourd'hui? Il te dira, oui, parce que je suis humain, je ne sais peut-être pas comment je l'ai fait. Mais il ne se reproche de rien. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Oui. Non, tous de pécheurs. N'oubliez pas l'enseignement, la délivrance du péché. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Tozali susu ba umbu ya lisumu. Nous pouvons nous purifier. Tokoki komi petola.
par la prière. Un homme au cœur pur, chaque jour, il se met dans une condition qui lui permet de tirer les trésors. Tirer la bénédiction de son cœur. Tirer la révélation qu'il avait entendue. Tirer l'orientation qu'il avait entendue pour bénir sa vie. Mais pour y arriver, il garde son cœur continuellement pur. Frère, frère, amen. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Un homme au cœur pur. Prie le matin. Prie le soir. Prie la nuit. Boutou. Prie à midi. Prie l'après-midi. Bref, la Bible est claire. Priez. Voilà. La Bible est claire. Elle sous-entend un état de prière qui ne s'arrête pas. Vous savez, les hommes d'esprit dorment en priant. C'est-à-dire son sommeil. Il a déjà dit amen à sa prière. Mais il commence maintenant à faire la prière pour aller dormir. Vous savez, c'est quoi la prière pour aller dormir? C'est ce que vous faites souvent. Mettez à genoux, vous dites je vais aller dormir. Non, la prière pour aller dormir, c'est quand j'ai dit amen. Tant qu'on a dit amen. Et que je suis monté sur le lit. Na lali na mbeto. Et que je suis sur l'oreiller. Na tie moto. Le brosi magada ya bro magada su megada da bro. Alléluia. Amen. D'autres, la prière pour aller dormir. Parce que soupon na kolala. WhatsApp. Tu dors déjà avec une connexion avec les humains. Olali déjà sur Kangani et Longona Bato. Qu'est-ce que tu vas entendre? Okoyokanin. C'est tout ce que tu vas entendre. Les notifications. Sans détail. Amen. Amen. Libro Magada Yabashada Yaba. Même avec madame. Oh ma chérie, que Dieu te bénisse. Tu sais, Dieu, moi je sais que Dieu. Que Satan vienne. Satan aille. Lui-même. Yemoko. Frère, que Dieu vous ouvre les yeux. Nous vos histoires là de sursauter. N'a pas mêlé. N'a yeka. Hey. Que Dieu vous ouvre les yeux. Il y a des fois le diable prend des marteaux. Il s'approche même d'un couple. Il frappe dessus. Pas. Il voit bien qu'il a tapé. Mais il ne comprend pas comment ça ne vous touche pas. C'est de cette protection dont on a besoin. Amen. 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 Je ne vous ai pas dit dormez en priant. Nazo tétu, nazo baby ça. Non, non, tu peux pas dormir dans le combat, toi aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Première chose, purifiez continuellement votre cœur par la prière. Et je dis continuellement. Ton patron t'a dit quelque chose, tu sens que tu fais seulement. Seigneur, pardonne-moi. Mets-moi la paix, mets-moi la tranquillité. Donne-moi la force de supporter cette parole-là. Tu passes. Ne laisse personne t'arrêter. Purifie-toi continuellement. La Bible dit si un homme voit une femme, la regarde pour la convoiter. Ce qui sous-entend quoi? Que Dieu sait que tu regarderas. Mais ne convoite pas. Donc pendant que tu regardes, donc tangozotala, Jesus. Yes. Là, ça sous-entend que nangana beba. Nazo kende nzambe Jesus. Non, rien. Tu veux, je dis ça parce qu'on parle aux faibles, on parle aux forts. Il y a plusieurs personnes ici. Quelqu'un me suit? C'est pas le cas chez certains. Chez certains, comme je le dis souvent, vous êtes comme le vent là, l'air qui passe là. Tu t'habites, tu souffres pour toi. Lui ne te voit même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je ne pense pas qu'il y a des femmes qui intercèdent quand leur mari voyage. Mais il y en a d'autres quand le mari voyage, elle va mangengenge. Pour que son mari ne tombe pas. Pour quoi tu connais ça? Amen. Amen. La deuxième chose à faire, et nous avons mis balai à cause continuellement tirer de bonnes choses de votre cœur. Premièrement, on a dit prier continuellement. Bonde la katango nyoso. Purifier continuellement votre cœur par la prière. Pardon. Purifier continuellement votre cœur par la prière. Beto la katango.
Deuxièmement, parlez à Dieu en accord avec votre cœur. Je vous en prie, je l'avais dit dimanche, je le répète aujourd'hui. Parlez à Dieu en accord avec votre cœur. Il y a trois points qui se ressemblent avec ce point ici. En fait, lui, c'est le premier point que je pouvais dire. Donc, parlez à Dieu en accord avec votre cœur, c'est le numéro 2. Numéro 3. Parlez aux autres en accord avec votre cœur. Numéro 4. Parlez-vous vous-même en accord avec votre cœur. Je vais citer ces trois-là ensemble. Parlez à Dieu en accord avec votre cœur. Parlez aux autres en accord avec votre cœur. Parlez-vous vous-même en accord avec votre cœur. Frères et sœurs, le plus grand péché qu'un humain même peut commettre avec sa bouche, c'est le mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas simplement mentir sur quelque chose que j'avais dit, mais c'est aussi mentir contre mon cœur. Oh Dieu, je ne désire que toi. Calcule le temps de prière que tu as pris pour le désirer et le temps de prière que tu prends pour demander le voyage. C'est un mensonge. Et Dieu l'a entendu. Ton cœur a dit le contraire de ta bouche. Quand vous faites ça, même si dans ton cœur, tu as le trésor d'une grande prophétie, tu ne la vivras pas. Parce que la chose qui a bloqué, c'est que tu parles à Dieu en contradiction avec ton cœur. Je vous en supplie, ne dites pas à Dieu des phrases que vous ne comprenez pas. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. L'homme qui avait dit à Dieu la première fois, je crois en toi. La Bible dit que Dieu l'a traité de juste à cause de ça. Et vous savez comment Dieu a vérifié s'il croyait en lui? Donne-moi ton fils. Continuez à dire n'importe quoi, vous ne vous attirerez pas les attaques des démons. Non, l'épreuve de Dieu. Il y a quelqu'un qui a écarquillé ses yeux vraiment. Écarquillé. Papa Yassolo. Yassolo. Ne parle jamais à Dieu d'une chose que tu ne sens pas. Entre dans ta chambre, dis seulement Dieu merci. Merci. Si tu sais que la deuxième chose que je veux lui dire, c'est là. Et là, comme il y a un thème, je t'aime. Je t'aime. Vous vous rappelez pas de ça hein, dans la Bible? Hein? Jésus. Yes. Sur la montagne. Nangomba. Si tu le veux. Soki olingi. Éloigne de moi cette coupe. Longola keni olibo. Si tu le veux. Oh. Soki olingi yango. C'est quoi cette répétition? C'était le cri de son cœur. On ne va pas impacter Dieu. Vous n'allez pas impressionner Dieu. Hey Baba! Ozali Nzambe! Frère, il y a des gens qui augmentent le volume de leur amplificateur de prière pour marquer les gens qui les écoutent dehors. Même si nous on te met 10 sur 10 à ta prière, ce n'est pas à nous de te coter. Qui a compris? Amen. Donc évitez de parler à Dieu en contradiction avec votre cœur. Là je parle déjà aux intercesseurs et aux chantres des églises. Les intercesseurs. Oh Jéhovah! Tu es aujourd'hui le puissant. Mais dans sa propre vie, dès qu'il finit l'intercession, n'est pas un binôme. Apiaka.
N'habitez pas promesse, mais rien. Et lui, et l'intercesseur qu'on vient de voir, deux hommes différents. Naye, namo bon de l'autre, tout comme on a kuna, batumi balé bakese. Frères et sœurs, les chantres. Bande kobayembi. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu. Zambé. Après, ils mettent toujours leur parlant en langue qui est devenue une récitation. Yebobobobocha. Ils ont cette récitation là. Ça n'a mon message. Yebobobobocha. La dimension. Yé. Vous nous impressionnez. Ozobangi sabiso. C'est pas nous qui cotons. Biso tende to chaka ba point. Même si nous on te trouve terrible. Ata biso to sepeli na yo. L'essentiel c'est de poser la question au ministère de l'éducation. Est-ce qu'on a donné ton diplôme? Ba pesi yo buku esengeli. Fais pour toi les 100% en 6e CO. Le problème n'est pas là. C'est l'examen d'État qui va compter. Yes. C'est là-bas qu'on juge. Quelqu'un me suit? Amen. Les prédicateurs. Bataille. Parce que mon frère, il y a une boule dans la boule qui sous-entend la boule de la boule. J'entends quelqu'un dire gloire. 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 C'est pas nous qui cotons. Même si on dit amen, il y a quelqu'un qui cote en haut. Quand on va arriver là-bas, c'est le cœur qui va parler. Là, tu vois des gens que tu considérais comme ça. Mais leur cœur les font comme ça. Là-bas. Toi qui parlais et bougeais les foules. Et la femme qui ne bougeait aucune foule. Moi, je côté à l'équipe à côté de téléminon. Avez-vous déjà vu un président de la République qui compte sa voix? Sa propre voix. Il va toujours aller faire la campagne parce qu'il sait que sa voix ne suffit pas. Voilà. Parce que tous les candidats présidents commencent toujours les votes avec une voix. Chacun a déjà mis poni. Si tu continues à faire les choses pour te faire plaisir, tu n'auras qu'une voix. Ça ne peut pas te rendre président. Il faut la voix d'un autre. La voix de Dieu. Pour attester que ce que tu fais là, moi je suis avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous avez déjà rêvé un pasteur mal, une fois, deux fois, trois fois, pour ce que je viens de dire, gardez Ésaïe 29, verset 13. Hein? Parlez à Dieu en accord avec votre cœur. Après, j'ai dit parlez aux autres, n'est-ce pas? En accord avec votre cœur. Fidèle. Ne me dis pas tu m'aimes. Tu vas te faire du mal pour rien. Alléluia. Amen. Frère Yosara Ndekonanga. Toi, tu es mon frère. Frère, ne dites pas des choses qui ne sont pas dans votre cœur. Vous vous enfoncez vous-même. Ne parlez jamais à un bien-aimé contrairement à ce que vous pensez de lui. Vous vous empêcherez de vivre la promesse qui est dans votre cœur, les rêves qui sont dans votre cœur, les bénédictions qui sont dans votre cœur. Tous ces trésors-là deviendront inutiles. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. N'appelez pas n'importe qui de n'importe quel nom. C'est pourquoi j'ai demandé à certaines personnes, ne m'appelez pas mon pasteur. Sauvez votre âme. Dis Yaya quartier. C'est un grand frère du quartier. Je suis ton grand frère du quartier, ma fille. Ou bien petit à quartier. Maman, ce qui est au Zarano, maman, petit à quartier. Moi, je suis à quartier. Ça va sauver ton âme. Parce que quand tu m'appelles mon pasteur, Jésus a dit, vous mangez le levain des pharisiens. C'est-à-dire quand tu appelles quelqu'un mon pasteur, c'est que c'est lui qui te nourrit.
Tu es en train de lui dire Zoba. C'est une insulte. Et ça, le lingé à kofinga au baloré, imagé, sataniquement présenté. Au talisman le lingé à Satan. Viens, dernier petit. Bien, tu y gagnes. Alléluia. Amen. Pas les vieux. Oh, bon, bien. Ah, dernier go. Ah, bien. C'est bon. Pas mon pasteur. Papa n'a pas été. Ma diaconesse Nabiso. Ma ancien Nabiso. Ne faites pas des choses comme ça. Si ton cœur n'est pas dedans, tu dis, tu te condamnes. Ce qui c'est pourquoi, frère, si vous n'aimez pas certains pasteurs, ne dites pas aux âmes de votre assemblée, moi j'aime tout le monde. Vous soyez sûr que quand vous parlez d'une chose, si on augmentait le volume de votre cœur, on allait entendre la même chose. Tokoyoka eloko semoko. Dis à ton voisin, regarde-moi. Regarde-moi. Il vous a regardé? Atali on a mis. Hein? Non. Parce que c'est une sœur. Elle t'a pas regardé. Mais le jour où la sœur là deviendra juge et qu'il faut qu'elle puisse décider pour toi, ma juge, maman juge, tu vas la regarder. Pourquoi? Tu seras en train de lui parler sincèrement. Mais ce qui aura du mal à te faire regarder une femme, c'est que déjà dans ton cœur, il y aura un truc qui, que tu ne maîtrises pas, qui est comme si, comme une nudité adamique, quoi. Le cœur des hommes. Jésus revient vite. J'entends quelqu'un dire dans son cœur, non, pasteur, apusamuke. Ayambangu. Ayambangu. Ayata lobi. Ayata lelo. Yoka mena mouke. Metwa nanda kunaye. Trois. Je vous ai dit, parlez aux autres en accord avec votre cœur. Quatre. Parlez-vous vous-même en accord avec votre cœur. Alléluia. Amen. 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 Quand vous vous réveillez le matin, tongo, que dites-vous de vous-même? Si vous vous parlez et que vous vous parlez vous-même en désaccord avec votre cœur, tu es en train de rendre ton cœur impur et tu empêches à ta bouche de bénir ta vie. Je vais expliquer. Parlez-vous vous-même en accord avec votre cœur veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire parlez-vous par la confession. Voilà. Parlez-vous vous-même par la confession. La Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, virgule. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans ce texte? On dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche. Mais là, on parle d'un autre domaine de la vie. On appelle la confession. La confession, et ça commence par la parole pour garder le cœur. La parole parle pour garder le cœur. Vous allez voir ça plus tard. David disait, mon cœur, pourquoi t'as battu? Son cœur est dans un état, mais sa bouche dit le contraire pour incliner le cœur. C'est-à-dire, donc, je me parle moi-même et j'emmène mon cœur à croire en mes paroles. Ça, c'est la confession.
Amen. Amen. Un jour, un homme était dans une faiblesse. Il dit, oh Dieu, viens au secours de ma foi. Voilà. Sa déclaration était dans le but de stimuler son cœur. Quand vous voulez marcher avec la pureté de votre cœur et attirer ces trésors, confessez les choses que votre cœur doit accepter. Amen. Amen. Est-ce que je peux expliquer? Amen. Maman, comment ça s'appelle encore? Excusez-moi, quand je suis sous l'onction, j'oublie les noms des gens. Maman Yvette. Maman Yvette, voilà. Maman Yvette, 1 plus 1. Papa, 1 plus 1. 1 plus 1, frère. J'ai une question à vous poser, maman. C'était dans votre cœur? Ou bien c'est quelqu'un qui vous a mis ça? Nos professeurs nous ont fait accepter des choses. J'ai encore autre chose à vous dire. Papa Wisdom. Oh. Depuis quand. Attends, écoutez comment le français souvent est ridicule. Je m'appelle Lévi Congolo. Depuis quand toi, tu t'es appelé toi-même? Quel est votre nom? Je m'appelle Fidel Mwaku. Nami benga Fidel Mukwa. Depuis quand? Outa mo colonine. Tu t'es appelé Fidel. Omi benga yomoko Fidel Mukwa. Jusqu'aujourd'hui, vous vous présentez du nom que quelqu'un vous a dit. Kino le lo mitali sakana kombo moto a Elisa. Il vous a dit ça à la période où vous ne pouvez pas bouder. Aibiso tango ko ite oboya. Vous voyez comment les choses entrent, non? Mm-hmm. Vous devez emmener votre cœur à se taire, ne plus bouder. Tu vas réussir. Mais maman, tu vas réussir. Tu vas réussir. Yo, tu l'emmènes. Oh, yo, tu vas réussir. Au colonga, yo. On vous caillé. On finit mon témandima. Fidèle, hein? Papa. Talamout. Moubali mounene boy. Nazo lobisaye. Ngana ina lobisaye. Fidèle. Papa. Ça marche à tous les coups. Motema, le cœur fonctionne toujours en réponse. Motema est salaka kaka na koyanola. Parlez. Loba. En confessant vous-même. Dans komitato la yomoko. Deuxième parler. Le lenga mbale. Parlez par la réflexion et la méditation. Loba nako banza pe nako manyola. Écoutez votre cœur. Motema na yo. Pour qu'il puisse vous suivre. Pour que vous y tiriez les trésors, vous devez lui parler par la réflexion et la méditation. Ça veut dire quoi, frère? Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous restez là et vous commencez à vous-même réfléchir. Je vais donner une parole ici, soyez attentifs. Dis avec moi la nuit. La nuit. Vous pouvez connaître quel est votre cœur en écoutant les pensées que vous avez sur le lit avant de dormir. C'est écrit où? Psaume 77, verset 6. Dans d'autres Bibles, verset 7. Madame, si votre cœur parle différemment, quand vous êtes sur le lit, vous ne vivrez jamais les promesses de Dieu. Comment l'autre fait? Oui, eux, ils ont compris ce principe. Vous y êtes? Amen. Je pense à quoi? Aux jours anciens. Vous êtes verset 6 ou verset 7, ça dépend des versions. Ce qui dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Virgule. Je fais des réflexions au dedans de mon cœur. Je fais des réflexions au dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Oh, j'aime ça. Alléluia. Quand votre cœur, pendant la nuit, personne ne vous parle. Vous écoutez souvent des phrases comme celle-ci. Quand je vais arriver là-bas, il faut que j'arrive très tôt. Vous voyez? Ça, c'est le vrai vous.
Tout ce que tu nous fais voir ici, c'est pas toi. Le vrai toi, c'est quand il y a le silence de la nuit et tu commences à entendre. Tout ça là, c'est toi. C'est pourquoi, frère, vous allez remarquer, j'ai Jésus. J'ai le Saint-Esprit. J'ai tout ça. Mais j'échoue comment? Comment les promesses que j'ai dans mon cœur, je n'arrive pas à tirer son trésor? Analyse les paroles avant de dormir. Tu verras que tu ne crois pas en Dieu. Non, quelle classe néni. Comment je vais aller à l'école? Parents basés en bon côté pour pas foutre dans la classe. Je les ai entendus parler ce soir, ils n'ont pas d'argent. Ah, non, ça néni. Comment je vais faire? Pendant que toi tu fais ça, il y en a qui dorment en disant. Tant que le babon me sous soit à lobby. Je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel est mon assurance. Na lali na kimia colonie à simbi lobby na. Si on dort avec deux pensées différentes, on va se réveiller de la même manière. Ce qui to lali makani c'est que sina to kolam kanenge moko. Dis-moi déjà, quelles sont tes pensées avant de dormir? Je vais te dire de quoi est-ce que tu es en train de contaminer la journée qui suit. Frère, Ndeko, la spiritualité vient toujours par l'enseignement. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Satan, mais on les a initiés par l'enseignement. Ils sont devenus graves. Nous, les chrétiens, nous avons une faiblesse, c'est que nous sommes très peu enseigner. Mais on nous emmène à prier beaucoup sans nous instruire. Du coup, on fait des choses sans savoir que c'est la chose là qui est à l'origine. Quand on est un enfant de Dieu, on n'échoue pas. Mais si on échoue, il y a autre chose dedans. Parmi lesquels, les paroles sur ta couche. Maloba tango lingiolala. Parle enfin dernier pour le parler vous-même, parlez en accord avec votre cœur. Parlez-vous pour vous recadrer. Milobela po omizongi sananzela. Parlez-vous yomo komilobela po omizongi sananzela. Frères et sœurs, molingami, le cœur peut vous emmener loin. Ekoke mema yomosika. Quand il est pur, tango il va vous emmener loin. Mais vous devez être capable de le recadrer. Quand je dis le recadrer, nous entendons quoi par là? Ne laissez pas votre cœur faire ce que vous ne voulez pas. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en introduction, disons dans le point précédent. Le psaume 42, verset 5 dit, pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Yes. Amen. Amen. Il parle à son cœur. Écoutez, le cœur ne peut pas tout absorber. Il a besoin souvent d'être encouragé par la bouche. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Au-dedans de... Quand Dieu vous parle, il vous parle dans l'esprit. C'est tellement loin au-dedans de vous. Et quand vous commencez à parler avec votre bouche, à votre cœur, c'est comme si vous prenez la parole qui est entrée en vous dans l'esprit. Vous la déclarez fortement pour que les oreilles entendent. Pourquoi les oreilles doivent entendre? Parce que la foi vient de quoi? Quand vous déclarez, vous emmenez la foi à entrer de, par rapport à ce que vous entendez. Et la foi s'assoit où? Dans le cœur. C'est comme ça qu'on contourne un cœur qui était abattu. On prend une parole de l'esprit, on la déclare malgré que je ne crois pas. On la déclare jusqu'à ce que l'oreille entende. Pas que l'oreille écoute, mais que l'oreille entende. C'est-à-dire qu'elle comprenne la profondeur de ce que je dis. Oh, Lévi, tu vas te marier cette fin de semaine. Oh, Paulin, tu vas te... Voilà. Tu te parles à toi-même. Je suis en train de partir le 2. Le 2, je pars. Le 5, je fais ceci. Le 12, je fais cela. Parce que mon cœur n'arrive pas à y croire.
Alors je prends la parole de l'esprit, je la déclare. Elle fait le sens, elle revient dans l'oreille, j'y crois, ça se rassoit dans le cœur. Et je domine. Quand vous allez aux toilettes, n'allez pas tout simplement pour changer le maquillage. Il y a des fois, il faut aller pour changer votre motivation. C'est comme si dans la journée, tu es en train d'accepter des choses. Après, tu dis, j'arrive. Tu entres aux toilettes. Continue aux toilettes. Moi, je n'échoue jamais. Là, tu ressens que tu as repris le rythme. Parce que si tu laisses ta journée t'emmener en bateau, tu ne vas pas comprendre comment tu vas la finir sans plus, sans espoir dans le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Ah, acclame Dieu pour ça. Cinquième point. Agissez en observant les actions qui suivent le discours de votre cœur. Agissez en observant les discours qui suivent, en observant, pardon, les actions qui suivent le discours de votre cœur. Est-ce qu'on peut lire ça dans la Bible? On peut? Je peux faire ça, mes bien-aimés. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de ta vie. Que Dieu bénisse la femme de ta vie. Amen. Que Dieu bénisse les enfants de ta vie. Alléluia. Amen. Dieu a toujours parlé avant que les choses n'arrivent. Je suis en train de bénir ton travail. Amen. Oh, je bénis ton nouveau compte bancaire au nom de Jésus. Amen. Je bénis les nouveaux partenaires de ton ministère au nom de Jésus. Oh, je bénis ceux qui te portent sur leurs épaules et t'emmènent très loin au nom de Jésus. Amen. J'entends quelqu'un dire, c'est à moi. C'est à moi. Moi seul. À moi seul. Alléluia. Amen. Est-ce que ton cœur a entendu? Amen. 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 Genèse chapitre 20, chapitre 24, le verset 45. Papa Wisdom, c'est un beau verset. Tu vas voir, un beau verset. Genèse 24, verset 45. Oh, la Bible. Puissions-nous lire la Bible? La Bible dit ceci. Écoute ça, Jérémie. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, virgule, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Vous connaissez cette histoire? C'est l'homme qu'on a envoyé pour trouver une femme au fils de son patron. Son patron s'appelait Abraham. Et l'homme s'appelait. Lorsque cet homme, les airs avancés, il a parlé en son cœur. Alors pendant qu'il parlait en son cœur, avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, suivez ça, avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une stratégie pour rester continuellement en train de tirer les trésors. Vous savez, vous maîtrisez vous-même que, oui, Dieu me bénit ici. Comment vous le savez? Quand vous parlez dans votre cœur et que vous voyez une scène, une action se faire qui correspond à votre cœur, Dieu vous a donné la chose que vous disiez. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Regardez le genre. Talaba. Jour moko. Un jour. Elle viendra un jour. Gabina osomba vite. Osomba mutuka. Je vais acheter un véhicule. Il faut osomba pina vite mon quoi bleu. Je dois acheter. Laura Agnio César jaune. Tu parles dans ton cœur, hein? Bêtement. Je dis bêtement. Osomba pamba jaune. Osomba l'angoa bleu.
Moi, je vais acheter une vitre bleue. Pendant que tu parles, tango zoloba, une vitre bleue passe. Vitre moko ya blé leki. Ne faites pas. Non. Dites, l'Éternel me l'a donné. Toutes les fois que ton cœur parle, et qu'une action qui correspond à ton cœur vient devant toi. On parle ici du mariage. Choix le plus compliqué que aucun homme n'avait fait lorsque Dieu a créé l'humanité. Quand Dieu a créé l'humanité, l'homme était incapable de choisir la femme. Dieu a dû l'emmener vers l'homme. Mais ici, Abraham envoie quelqu'un chercher une femme. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est de la folie. C'est déjà difficile à l'homme lui-même de trouver une femme. Mais on envoie quelqu'un te chercher la femme que toi tu vas aimer. Ah, pasteur, tu allais accepter? Non. Même moi, je te cherche une femme, pasteur. Alléluia. Amen. On va t'emmener une blonde au corps noir. Tu refuses. On va t'emmener une noire au corps blanc. Tu refuses. Parce que le cœur a des désirs contraires. Alors, lorsque on envoie quelqu'un chercher la femme d'autrui, la personne a trouvé cette femme comment? Il parlait dans son cœur, et l'action est venue. Il a dit, c'est la femme de mon maître. Je vous signale qu'on parle ici de Rebecca, mère des jumeaux. C'est bien ça? Amen. Mère qui a dit à l'un d'entre eux une phrase qu'elle n'a pas dite à l'autre. Quelqu'un me suit? Amen. La mère inspirée, Mama, oh ya, kambami na qui a renversé un ordre établi. Abongola molongo, ba tia la ce n'était pas écrit sur son visage. Et komama ne longi na yete? Mais comment on arrive à obtenir d'aussi bonnes personnes? Nengi ni toko ko zwa mino ko quand on sait utiliser le cœur pur que l'on a. Tango ebi ko sale la motema peto za. Dès qu'on sait que naye ko zwa moi sim, naye ko na oyiba moi cité, naye na motema peto, makanisi nanga soke kutani na action ça net makanisi nanga. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tu parles dans ton cœur. Zambé. Seigneur. Non, qui est sous Paris, vraiment, non, qui est France. Parce que moi, j'irai encore à Paris, moi, vraiment. Déception ma casse. Tu es en train de pencher ta tête pour être encore plus. Déception. Tu te penches des côtés. Banderole. Spécial offre pour Paris. Tu vois la banderole. Ah, ce sont même à Paris. Ne te trompe pas. Komiko sate. Dieu vient de te dire. Kolo auti kolobana yo. J'ira. Okokende. Yes. Je pleurais sur l'avenue Lumière. Na lela na zela. J'intercédais, je pleurais, je pleurais. Bande ko lela na zo tambola. J'aimais sortir dans le noir. Na bande ko sepela ko bima na molili. Comme on n'a pas beaucoup de lumière, ça m'aidait à pleurer dans la route. Je passe beaucoup de temps priant, pleurant en marchant. C'est ça le mauvais côté de l'élévation. Tu ne peux plus sortir comme tu veux. C'est très embêtant, ça casse le rythme des autres. Que Dieu nous bénisse pour qu'on aille prier dans d'autres nations et on revient au pays. Amen. L'Olinde. Non. Je dois trouver mon confort de la prière. Et mon confort, c'est la route. Chacun son confort. Alors, pendant que je pleurais, oh Dieu, jusqu'à quand? Moi, c'est quand mon tour. Frère, j'ai seulement entendu dans le cœur. Maintenant, c'est ton tour. Je lève la tête. Aseka faisait un séminaire. Aseka baneko sala milulu moko. Thème. Maintenant c'est ton tour. Si quoi le tango na yekoki. Par wisdom. J'ai pas besoin qu'un ange m'apparaisse. Dans la poste tes moi j'ai bimé là. Je fais massacre ton mahataya. Hey abara. Et baby. Et bongi. Et bon donc na côté.
six dimensions. J'ai senti que c'est bon, c'est fini. Nayoki ke awa makambo simbi. Quelque temps après, tango moke eleki. Un homme m'a invité dans son assemblée. Moto abengi singa na eklesia. C'était le départ. Nde wana kobandisa mama kambo. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Quand ça parle, tu vois, c'est fini. Deux choses se sont accordées. Deux choses se sont accordées. Ça n'arrive jamais par hasard. On ne voit pas l'éclipse tous les jours. Quand il y a éclipse, il y a un événement. Si j'étais à ta place, j'allais essayer de dire amen. J'allais essayer. Mais comme je ne suis pas à ta place, dis amen. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Non, finissons. Sixièmement, Yami, qui fait que tu, comment tu peux faire pour utiliser les trésors de ton cœur tout le temps? Écoutez, ça, c'est un mystère. J'entends quelqu'un dire gloire. Gloire. C'est le dernier jour du séminaire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Liez votre offrande à l'état de votre cœur. Maman, papa, liez votre offrande à l'état de votre cœur. Il y a des fois, tu sens dedans de toi une joie. Une joie. Tu viens à l'église. Tu fais une action de grâce. Sous l'effet de l'élan de ton cœur. Tu n'as pas attendu qu'on demande. Mais tu fonctionnes avec les vagues de ton cœur. Quelqu'un me suit. Lier des offrandes à l'état du cœur. Il y a des jours où on n'a pas demandé une offrande sacrificielle à l'église. Nous, à chaque fois qu'on donne beaucoup, c'est quand on demande trop. Pourquoi? Non, frère. Écoutez votre cœur. Il y a des jours, vous sentez en vous que j'ai bien commencé ma journée. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Formule le numéro d'une sœur que tu connais, d'un frère que tu connais. Tu dis bien, mais c'est comment j'étais envoyé un MPSA. J'ai envoyé 5 000 francs. Alléluia. Amen. Parce que tu as senti dans ton cœur. Something good is happening. Quelque chose de bien est en train d'arriver. À cause de cela, tu rejettes une action sur les autres. Afin d'entrer dans une loi d'esprit qui dit que celui qui arrose sera. Alléluia. Amen. Vous avez commencé l'année, la rentrée scolaire comment? Vous avez raté la première semaine avant la rentrée scolaire. Il fallait entrer en programme avec vos enfants. Priez avec eux. Le jeûne et prière de la semaine qui parlera de la rentrée scolaire. Le petit enfant prendra le déjeuner à 12h. Le déjeuner à 14h. L'autre plus grand à 18h. Vous faites ça une semaine. Pendant ces une semaine là, vous priez pour la protection pendant l'année scolaire. Vous priez pour avoir les moyens financiers pendant l'année scolaire. Vous priez pour avoir la bonne santé pendant l'année scolaire. Qui m'a appris ça? C'est le pasteur Habib. Pasteur Habib. Il vient de finir son programme avec ses enfants. Il finit ça dimanche. Parce qu'ils vont commencer l'école bientôt. Un principe extraordinaire qui fait que quand il commence l'année scolaire, il finit de payer l'école avant que l'école ne finisse. Ces choses sont des mystères. Tu suis ton cœur. Tu n'attends pas le problème. Tu n'attends pas l'appel de fond. Tu suis ton cœur. Exemple. N'avez-vous pas remarqué que vous pouvez donner une offrande en plein culte de quelque chose que vous n'aviez pas pensé donner? Qu'est-ce qui fait ça? La parole que vous écoutez peut vous emmener à un point où elle vous dit seulement une chose: suis-moi. Suis-moi. Et là, tu rentres à pied, tu ne regrettes même pas les $50 que tu as déposés. Ça ne vous est pas encore arrivé, hein? Pas encore. Déjà. Déjà,
Maintenant, essaye un peu maintenant. Mekasiko. Donne-moi le meilleur que tu as, Dieu. Pesa oza langoya mo. Ça va demander que je te convainc. Ça va demander que je sorte un verset. J'envoie une prophétie. Je t'en contourne un message. J'envoie deux, trois déclarations. Non. Tu vois ça là, c'est trop lourd. Suis ton cœur. Tu as la maison, tu dis je vais faire manger mon papa aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas demandé s'il a à manger ou pas. Parce que dans les églises aujourd'hui, quand le pasteur a une forme de prospérité, les enfants oublient qu'il a toujours besoin de l'eau. La Bible ne dit pas que si tu donnes de l'eau à l'un de mes serviteurs qui manque d'eau chez lui. Quand on dit si tu donnes l'eau, c'est la chose que tout le monde a. Mais on te dit que tu auras une récompense pour l'eau. Pourquoi tu auras la récompense, pasteur? Tout le monde a l'eau, mais tout le monde n'a pas l'eau froide. C'est-à-dire, tu donnes une chose simple, mais tu l'as accompagné d'une qualité différente. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit était une radio, je l'aurais gardé 24 heures sur 24 allumé. Mais je crois qu'il peut nous parler 24 heures sur 24. Gardez le texte de 1 Chronique 29, verset 17. Parce que croyez-moi, frère, on dira toujours une chose en soutenant ça par un texte biblique. D'accord? Amen. 1 Chronique 29-17. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires. Offrande comment? Volontaire. Dans la droiture de mon cœur. Mon offrande volontaire a suivi quoi? La droiture de mon cœur. Donc, quand je n'arrive pas à en faire une volontaire, mon cœur n'est pas droit. Amen. Selon la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Okay. Quelqu'un me suit? Lui, David fait. Après, il voit que le peuple est motivé de faire. Quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez la prière qu'il fait à Dieu. Quelqu'un peut me dire avec moi la prière? La prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prédicateur ici ou bien enseignant de la parole. Toutes les fois qu'en Israël, on utilise cette introduction, on est sur le point de dire une chose qui va lier toute la nation d'Israël. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Yes. Enlève le voile de ton esprit. Il vient de donner une offrande. Et après, le peuple donne. Il dit, oh éternel, oh Yahweh, maintiens, battez-la. Maintenir, ça veut dire qu'il y a une chose qui s'est faite qu'on doit garder. Il dit, maintiens cette façon de faire. Maintiens cette façon de faire. Oh, la Bible. Un homme prie pour un peuple en demandant à Dieu de maintenir leur cœur à donner l'offrande. Non, frère. Tant que dans les églises, on continuera à insister, donnons. C'est que nos cœurs ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et comme ce n'est pas arrivé à ce niveau, on n'arrive pas à tirer les trésors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dernier point. Et on va prier.
Merci Seigneur Jésus pour ces moments. Parler, loba, c'est la dernière chose que vous pouvez faire pour continuellement vivre les trésors de votre cœur. Est-ce que je peux le dire? Je peux le dire? Amen. Parlez en langue en gardant votre cœur pur. Le parler en langue vous édifie vous-même. Le parler en langue te construit toi-même. Ça te bâtit toi-même. On ne prie pas en langue pendant 30 minutes. On prie en langue toute la journée. Dès que moment favorable, on bombarde. Ça commence. Pourquoi? Parce que ça construit. Ça m'édifie moi-même. C'est autrement dit, parler sous l'onction. Cette onction sur vous, parlez toujours en langue. Ça permet de prendre les choses que je ne maîtrise pas en moi, qui sont des trésors cachés que Dieu ne me dit même pas parce que moi-même je n'arriverai pas à y croire, mais je les prends et je les emmène à l'existence. Si nous n'étions pas à l'église, nous aurions parlé en langue, mes amis, pendant tout le culte presque. C'est parce que certaines personnes ont besoin d'être édifiées qu'il faut qu'on parle en langue connue. Quelqu'un va dire avec moi sous l'onction. Sous l'onction. Quand je vous parle de parler en langue, je vous invite en fait à parler quand vous êtes sous l'onction. Quand vous sentez une huile fraîche sur vous, parlez. Si vous ne parlez pas en langue, mais que vous sentiez votre chambre a changé de forme, parlez. C'est le moment, il faut parler. Lorsque vous êtes dans votre maison, vous marchez, vous étiez en train de faire autre chose. Et vous avez l'impression que quelqu'un vous a caressé les cheveux comme ça. Parlez. Lorsque vous êtes sur votre jardin, vous lisiez la Bible. Tout allait bien. Quand soudain, c'est comme si votre femme ou votre mari était venu à côté. Et que vous vous tournez, vous voyez personne. Parlez. Lorsque vous êtes en train de dormir et que votre sommeil se coupe avec une précision d'absence de sommeil rapide. Papa, que ça se coupe comme ça, papa, j'ai encore sommeil. Non, mais ça se coupe. Je suis clairement réveillé. Parlez. Lorsque vous entendez une prédication et que votre cerveau fait votre cœur fait. On dit la Bible, lorsqu'on entendait, ne sentions-nous pas du feu dans nos cœurs? Les apôtres ont vu Jésus. Jésus leur parlait. Ils ont senti le feu. Mais ils n'ont pas parlé. Quand ils sont repartis et qu'ils ont vu le Seigneur disparaître, ils se sont souvenus. Mais c'était pas le moment. C'était déjà trop tard. Si quand ils sentaient le feu, ils avaient parlé devant le maître, ils seraient certainement entrés dans une autre dimension avec Dieu. Si quand ils ont senti le feu, ils avaient dit, tu es le Messie. À ce moment-là, Jésus allait leur révéler autre chose. Mais ils ont laissé cette période passer. Et ils n'ont pas parlé. Il y a un moment où il faut parler. C'est parler sous l'onction. Un jeune homme du nom de David a parlé trois fois dans sa vie. Et les trois fois ont changé sa vie. La première fois, il a parlé en chantant avec le troupeau de son père. Pendant que le prophète est allé dans la maison de son père, en demandant que je cherche le roi, on a dit voilà tous mes fils. Et il a voulu oindre. Il a dit non. Dieu lui a dit non. Le roi n'est pas là. Pendant ce temps, David était seul quelque part. Malgré qu'il était dans la maison de son père, il a parlé.
Vous, quand vous êtes dans votre maison familiale, vous haïssez votre père, vous haïssez votre grand frère, tout le monde est devenu ton ennemi. La maison de ton père est un lieu où tu peux parler. David a parlé. Et que faisait-il étant dans la maison de son père? Toutes les souffrances qu'on lui faisait dans la famille, il ne les regardait pas. Il allait dans l'endroit où il était en train de paître le petit troupeau. Et là, il chantait: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le type est pauvre. Le type est en train de paître le troupeau de son père. Et il déclare qu'il ne manquera de rien. Il a compris que c'était le bon moment de parler. Cela qui est au lieu de gémir et de mal parler de son père et de ses frères. Mais il a dit: à ce moment-là, je dois parler. Je ne dois pas me mettre à me plaindre. Je ne dois pas me mettre à gémir. Oui, je n'ai pas mangé. Eux, ils sont restés. Plusieurs fois, quand je rentre à la maison, je trouve on a fait la fête. Moi, je n'étais pas là. Mais quand je reste moi-même, je dis à Dieu: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La chose qu'il a manqué dans la maison de son père, il a proclamé que Dieu ne lui manquera pas. Cela. Au lieu de parler, si vous entrez dans vos chambres, vous pleurez. Et vous dites: famille, la biche, sa famille, ma belle. Non. Au lieu de parler, toi tu es en train de pleurer. C'est là la maison de ton père. Que tu aurais dû dire: c'est moi qui va donner la guérison de cette famille. Que ta mère t'insulte, ta maman, tu aurais dû dire: c'est moi qui vous sortirai de là. C'est le temps de parler. La deuxième fois, David a parlé. C'est lorsque il a été poursuivi et qu'il est resté dans une grotte et qu'il a dû fuir pendant longtemps. Le combat Bitumba que Jacques, Esaü lui faisait. Comment ça? Samuel. Saül l'a combattu. Saül a bondi Sadawi. Et pendant ce temps de combat, il n'a pas gémi. Pour dire: pourquoi c'est toujours moi cette souffrance? Non. Au milieu de sa souffrance, David n'a pas osé insulter le ouais. Il s'est dit: quand on souffre, quand on est dans le combat, on n'insulte pas l'adversaire, mais on respecte l'adversaire. Et là il s'est dit: l'Éternel est celui qui m'a appelé, je ne toucherai pas le ouin de Dieu. Pendant qu'il était combattu, il a respecté l'onction de l'autre, afin qu'on respecte son onction plus tard. Toi, lorsqu'on te combat, tu combats celui qui te combat. Tu sais que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a élevé là où il est. Quand tu le combats, tu combats Dieu. Et ton combat ne s'arrête jamais. Pendant le combat, il faut changer le langage. Il ne faut pas combattre celui qui me combat. C'est Dieu qui l'a élevé là. Mais je dois respecter son onction. Et là, David a reçu la deuxième onction. David a dit: pas quoi, Emi Balé? Le jour de la maison de son père, il a bien parlé. On l'a ouin. Il a bien parlé. Lors du combat, on l'a ouin. Troisième fois, David a été élevé. David a tombé au maquis. Roi d'Israël. Mais il régnait sur une seule partie. Pendant qu'il régnait sur une partie, il n'a pas appelé l'autre partie une fausse nation. Et il dit: c'est toujours la même nation. Dans la période de la gloire, il n'a pas diminué l'autre côté. Il les a aussi considérés. Quand tu entres dans la gloire, fais attention à ton discours, parce que ton discours peut t'empêcher la troisième onction. Le discours de la gloire, c'est de prendre les faibles et de faire tout qu'ils deviennent comme toi. Cherchez à les élever, mais ne les minimisez pas. Nous sommes arrivés. Nous avons atteint. Nous on était comme vous. Maintenant Dieu nous a élevés. Non.
le troisième discours qui change le cœur d'un roi et l'emmène à devenir le roi parmi les rois, c'est de lever les faibles. Et là, on a un David pour la troisième. Jamais un homme avait reçu trois fois l'onction pour être roi. Après lui, ça ne s'est pas passé. Avant lui, ça ne s'était pas passé. Jamais un homme. Pourquoi David était différent? Dieu avait commencé sa relation avec lui en disant: tu es l'homme selon mon cœur. C'était une affaire de cœur à cœur. Dieu voyait le cœur. Et Dieu parlait de son propre cœur. Quand ton début avec Dieu concerne les prophéties sans concerner ses soucis du cœur, tu es un jour. Que Dieu te parle de son souci. Là, tu deviens l'homme selon son cœur. Dès le début, ça avait commencé de cœur à cœur. Et David a gardé son cœur pur. David a battu la motema bête. Trop du cœur pur. Il a été loin trois fois. Reconnu dans la maison de son père. Reconnu dans les problèmes. Reconnu parmi les gens qui étaient élevés. Crois-tu que Dieu t'élèvera un jour? Le cœur pur est ta force. Crois-tu que Dieu t'élèvera un jour? Le cœur pur est ta force. Oui, je crois au jeûne et à la prière. Mais je crois que ça ne fonctionne que lorsque le cœur est pur. Quand le cœur n'est pas pur, ta prière est nulle. Le cœur pur changera votre vie, frère. Elle vous oindra trois fois. Elle vous oindra dans la maison familiale. Elle vous oindra au milieu de vos adversaires. Elle vous oindra parmi les grands. Et vous trouverez une table. Et vous mangerez avec ces grands. À cause du cœur pur. Quand tu arriveras sur cette table de grands, tu n'enviras personne. Tu n'insulteras personne. Tu as été jugé digne de t'asseoir là. C'est là où je vais. Voulez-vous venir avec nous? Allons dans cette dimension. Oubliez vos adversaires familiaux. Oubliez les adversaires du travail. Oubliez ceux qui font les mêmes choses que vous et qui gardez votre cœur pur. À ta place, je serai déjà en train de prier. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, il y a un moment lorsque la parole sort, le cœur te dit parle, c'est le moment où il faut. On ne jette pas le filet dans n'importe quel eau. Mais quand Jésus dit jette le filet, c'est le moment où il faut dire à Dieu: donne-moi un cœur pur. Je suis fatigué d'être un complexé. Je veux être un homme au cœur pur. Qui regarde la gloire de mes frères avec la joie. Qui regarde mes ennemis et je les aime. Je veux avoir un cœur pur. Je ne veux pas partager mon cœur avec le mensonge. J'attends trois onctions. J'attends la troisième onction. L'onction parmi les grands. Et par quoi la quatrième mamine? Moi, oh Père. Par quoi la naïkolo? Mon cœur est pur. Mon thème malanga est sali. Donne-moi qu'il soit encore pur. Ça l'a été, ça l'a lissé sous péto. Parle à Dieu. Le balance en bas.